Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Ceci étant dit, commençons. Bon, le teaser trailer tant attendu de Spider-Man Far From Home vient de tomber et franchement, ça envoie du très très lourd. Et comme le veut la tradition, une vidéo d'analyse et théorie s'impose. Ah, je vous préviens, comme pour la vidéo d'Avengers 4 Endgame, on va analyser plan par plan. Du coup, entre missions secrètes, relations complexes ou encore de magiciens Illuminati, installez-vous confortablement, aujourd'hui on parle de Peter Parker, alias Spider-Man. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on ne sait pas à l'heure actuelle, officiellement du moins, où placer ce film. Si certaines personnes sont convaincues qu'il se passe avant les événements d'Infinity War, je suis pour ma part contre l'idée. De plus, rien que le nouveau costume de Spider-Man va à l'encontre de cela. De plus, il faut savoir que ce film fait partie de la quatrième phase du MCU. Du coup, le plus logique serait qu'il prenne place après Avengers 4. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage de nous spoiler le retour de Spider-Man ou encore celui de Nick Fury. Comme si, finalement, c'était pour nous rassurer concernant les événements d'Avengers 4 Endgame, mais enfin bon, il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Ce premier trailer commence doucement. On a alors l'occasion de voir que la tante de Peter n'a pas l'air d'être réellement contrariée par la révélation concernant l'identité de Spider-Man, même qu'au contraire et à première vue, elle semble être fière de lui et n'hésite pas à l'encourager, mais aussi, qui sait, à utiliser sa notoriété pour la bonne cause. Une scène dans laquelle Peter participe à un dîner de charité pour les sans-abri, après tout, ses pouvoirs ne sont pas le seul moyen pour lui d'aider les personnes dans le besoin. Comme d'habitude, l'humour reste assez présent à travers plusieurs scènes, de quoi détendre l'atmosphère avant de nous introduire aux menaces auxquelles Spider-Man devra faire face dans ce nouvel opus. Nouvel opus dans lequel Peter et ses amis se préparent à aller en vacances en Europe, et il est intéressant de noter que son costume change tout au long du trailer. Ce sera donc l'occasion pour lui de mettre la main sur un nouveau. Après tout, il décide de ne pas emporter avec lui son costume habituel, souhaitant cette fois réellement passer du bon temps avec ses amis. Mais c'est sans compter l'intervention de notre cher Nick Fury qui pourrait, pourquoi pas faute d'en avoir un sur lui, lui en trouver un autre, cette fois moins coloré. Même si bon, hein, Tante May couvre ses arrières au petit Spidey. Il est intéressant de noter que Nick Fury semble prendre une place très importante dans les prochains films du MCU. Celui de Captain Marvel servira par exemple de origin story pour Carol Danvers, mais également pour le personnage de Nick Fury. De plus, cette visite de Nick Fury pourrait d'une certaine manière confirmer que Spider-Man fait aujourd'hui partie intégrante des Avengers, ou du moins qu'il soit enfin pris au sérieux en tant que héros. Ce qui implique qu'il puisse avoir recours à ses pouvoirs si une quelconque menace pointe le bout de son nez. Et croyez-moi, d'après ce trailer, ce voyage semble en être rempli, même que la plupart des scènes de combat sont concentrées sur une sorte d'élémentaire, d'eau, de feu ou encore de terre. Bien entendu, ce ne sont pas les seules menaces que propose ce nouvel opus. Ce premier trailer permet surtout d'introduire le personnage de Mysterio. Et pour le coup, je trouve qu'il rend parfaitement bien à l'écran. Ici, le personnage de Mysterio est très complexe à déchiffrer. Si durant certains plans, il semble faire face au même élémentaire d'eau qui attaque Spider-Man, dans d'autres, il semble plutôt s'en prendre directement à notre Spidey. Du coup, à l'heure actuelle, il est difficile de définir avec exactitude son rôle ou encore ses motivations. Et qui sait, hein, peut-être qu'il est lui-même responsable des attaques liées aux élémentaires, mais qu'il joue une sorte de double jeu pour tromper ses adversaires, chose qui prend tout son sens lorsqu'on décide de se renseigner sur son personnage dans les comics. Il faut savoir que dans les comics, Mysterio est non pas un personnage unique mais bien une succession de super-vilains. La première apparition de Mysterio eut lieu dans le comic book Amazing Spider-Man en 1963, celui-ci ayant été incarné et inauguré par Quentin Beck. C'est depuis tout petit que Mysterio rêve de se faire une place dans le monde du cinéma, en tant qu'acteur ou réalisateur. Mais cela ne lui fut jamais permis, au vu de son physique. Il décidera par la suite de jouer les rôles de monstres et extraterrestres, s'occupant surtout des effets spéciaux. Au fur et à mesure de son avancée dans le crime, il aura l'occasion de faire face au Spider-Man, et ce de nombreuses fois, sans jamais réellement réussir à le battre. Comme dans ce premier trailer, Mysterio était coiffé d'un bocal et portait une combinaison moulante ainsi qu'une cape. Au fil du temps, il modifiera ses gadgets afin de les rendre plus sophistiqués, et rendra ses effets spéciaux de plus en plus réels. Mysterio n'avait aucun super pouvoir mais avait maîtrisé l'art de la prestidigitation
et de l'hypnose. Il est important à noter qu'ici, le MCU a décidé de donner de réels pouvoirs à Mysterio, car contrairement aux comics, il possède des facultés hors du commun, même que sa manière de combattre et la manière dont ses attaques opèrent rappellent étrangement ceux de Doctor Strange. La seule différence que pour Mysterio, la couleur dominante de ses techniques reste le vert. Il est même possible de voir des dessins similaires à ceux des sorciers dans son bouclier de défense. Du coup, se pourrait-il qu'il puisse réellement être doté de tels pouvoirs, et surtout comment les a-t-il obtenus? Des questions qui, heureusement pour nous, seront peut-être dévoilées durant le visionnage de ce nouvel opus. Une chose est sûre, à la base, Mysterio n'est pas censé avoir de super pouvoirs, mais décider de lui en donner serait selon moi une superbe idée. Après tout, le MCU a toujours veillé à créer sa propre version de chaque personnage, et ici un tel choix serait clairement le bienvenu. Ce premier trailer opère sous le signe du mystère, mais également sous celui de l'amour. C'est alors l'occasion pour Peter de se rapprocher de MJ, en tout cas elle de son côté semble clairement intéressée. Et qui sait, peut-être que Peter pourrait finalement se décider à ne pas se rapprocher d'elle, craignant que ses ennemis ne puissent l'atteindre en s'en prenant à elle par exemple. Contrairement aux autres adaptations de Spider-Man, dans le MCU, notre Spidey n'a pas encore eu le fameux choc émotionnel de la perte de son oncle. Ce qui fait que Peter a encore du mal à prendre les choses au sérieux. Surtout qu'ici, tout le monde semble joyeux de prime abord, ce qui encore une fois nous trouble concernant la place de Spider-Man Far From Home de la timeline du MCU. Pour le coup, j'ai vraiment besoin de votre avis sur le sujet. Il existe une théorie que j'aime beaucoup, une théorie selon laquelle le personnage de l'oncle de Spider-Man serait en réalité attribué à celui de Tony Stark. Tony est une sorte de père de substitution pour Peter, ce qui pousse certaines personnes à penser que la mort de Tony pourrait réellement voir le jour dans les prochains films du MCU, permettant ainsi à Spider-Man d'ouvrir les yeux sur ce que peut réellement en coûter de jouer au héros. En parlant de Tony, n'oublions pas qu'il lui offre une nouvelle armure au début d'Avengers 3, une armure dont on ne fait pas mention dans ce trailer, alors qu'on a l'occasion de voir 3 costumes différents. Du coup, serait-il possible que ce deuxième opus de Spider-Man puisse réellement se passer avant les événements d'Avengers 3? Le bus scolaire duquel Peter rejoint Tony serait alors celui du retour de Peter en ville après son voyage en Europe. Autrement, comment expliquer qu'aucune information concernant le snap de Thanos n'ait eu lieu durant ce trailer? À moins que les événements d'Avengers 4 n'aient modifié toute la timeline du MCU. De telle manière à ce que Spidey n'ait jamais reçu d'armure ou même participé à un quelconque combat contre le Titan fou. En résumé, personne ne se souviendrait du claquement de doigts ou de ses effets, hormis les quelques Avengers à avoir voyagé dans le temps et arrêté Thanos. C'est en tout cas une théorie qui pourrait d'une certaine manière tenir la route. Alors oui, il existe également plus what the fuck comme théorie et je sais que ce sont vos préférés. Ici, cela concerne le film en général, une théorie qui dit simplement que ce film se passe dans une réalité alternative. Réalité qui n'a jamais subi l'attaque de Thanos. Alors oui, c'est totalement surréaliste et je trouve personnellement qu'il est encore tôt pour introduire le concept des univers parallèles dans le MCU. Même si, vous le savez, Avengers 4 pourrait justement remédier à cela. Une chose est sûre, Spider-Man a toujours été un personnage très important dans l'univers Marvel, et si le MCU a décidé de l'intégrer alors qu'il est aussi jeune, c'est qu'ils ont prévu d'en faire un personnage très important dans les phases à venir. L'acteur de son côté aura le temps de grandir et son personnage lui pourrait encore avoir droit à plusieurs opus, de telle sorte à en faire une sorte de nouveau leader en temps voulu. Le Marvel Cinematic Universe se prépare petit à petit à lancer la phase cosmique de son univers, et quand on donne naissance à des antagonistes d'un tel calibre, il faut faire en sorte que les héros soient également de taille, du moins un minimum. Thanos est loin d'être le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, et il est intéressant de voir que nos héros ont eu beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à le blesser. C'est d'ailleurs ce qui pousse le MCU à introduire des personnages comme Captain Marvel, ou encore Adam Warlock, même si pour ce dernier, il faudra se montrer un peu plus patient. Pour en revenir à ce trailer de Spider-Man, j'aimerais vraiment que Mysterio puisse se révéler très puissant, limite même qu'il puisse écraser Spider-Man, permettant donc à son personnage de revenir dans les autres films du MCU, à l'image de Loki dans les films Thor, ou encore Nebula dans les Gardiens. De plus, l'acteur qui joue Mysterio est selon moi à lui seul une raison valable pour permettre à son personnage d'être plus présent, enfin bon, il est un peu tôt pour se prononcer concernant cela,
En tout cas, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas, mes vidéos ne sont qu'une porte à la réflexion. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me partager votre propre vision des choses. J'aime partager mes idées et mes théories avec vous tous et comme d'habitude, c'est un réel plaisir de lire les vôtres. J'estime que cet échange est primordial et c'est d'ailleurs pour cela que je lis et réponds à la totalité des commentaires. Ceci étant dit, je vous invite également à mettre un pouce en l'air, c'est vraiment très important et ça récompense énormément le travail fourni. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec vos amis et surtout n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Si c'est votre première fois sur la chaîne, sachez que je traite de nombreux univers mais surtout du MCU. Du coup ce serait dommage de ne pas rejoindre l'aventure, sachant que l'abonnement est gratuit. Pour les personnes qui souhaitent m'aider financièrement, tous les liens sont en description, gardant espoir qu'un jour peut-être, je puisse vivre de mes vidéos. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus concernant l'arrivée de Galactus, le sacrifice de Thanos ou encore le voyage ultime des Avengers, je vous renvoie vers l'édite vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je m'en vais explorer d'autres horizons. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Si tu as envie de rejoindre mon équipage d'explorateurs d'univers, tu peux t'abonner directement en appuyant sur ma petite tête assez creepy. C'est gratuit hein, et ça fonctionne également avec un smartphone ou une tablette. Vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, c'est désormais possible. Et si vous êtes sur Twitter, et ben je sais pas ce que vous attendez pour me follow.